Salut à tous, c'est Darkizae. Et aujourd'hui, vidéo test, ça portera sur Mario Kart 64. Alors pourquoi Mario Kart 64 est parano? Tout simplement parce que c'est l'épisode qui m'a le plus marqué de Mario Kart. C'est celui auquel j'ai plus joué. Et pour moi, c'est le préféré et le meilleur des Mario Kart. C'est totalement subjectif, hein. C'est mon avis personnel. Bon, je vais pas m'entendre là-dessus, alors le mode 1 joueur, Mario Grand Prix, avec les cylindrés, donc 50 facile, 100 moyen, 150 difficile. Time Trial, c'est la course contre la montre, donc on essaie de faire le meilleur temps et apprendre à battre notre record du scoring, en quelque sorte. Deuxième player, enfin deux joueurs, Mario Grand Prix, VS c'est juste les deux joueurs, et Battle c'est le groupe de combat avec les ballons. Bon, j'ai pas de deuxième joueur ni de deuxième manette, donc je peux pas vous montrer ça. Peut-être par les 4 c'est pareil. Donc pour commencer, je vais vous montrer un peu le time trials, tout à faire. Parce que hier j'avais essayé de filmer, mais ça a planté. Merci Cam Studio. Donc là, on a les différentes coupes, hein. La coupe champignon, la coupe fleur, la coupe étoile, la coupe spéciale. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, celle-là. Bon, là, c'est juste faire du scoring, hein. Donc, je vais vous montrer ça un petit peu. Voilà, départ turbo. Alors, les contrôles. On accélère avec A. On utilise les objets avec Z. Freine avec B, dérapage avec R, L, oui, le L c'est pour afficher la carte, je crois, ou le compteur, je sais plus. Bref, voilà. Vous voyez que graphiquement c'est quand même assez beau, c'est même très joli, moi je trouve que c'est vraiment bien fait, hein, pour de la 64. Graphiquement c'est super bien fait, je trouve, quand même. Le Mario Kart. Alors, la bande son aussi, elle est géniale, je trouve. Bon, je sais, j'ai utilisé les trois champignons, mais c'est pas grave. Hein. Alors, ce circuit, qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Il y a des camions et des voitures qui passent partout. Donc, faut essayer de les éviter. Là encore, je vous dis, ça va, il n'y a pas de cylindrée en time trials. Mais là, je vous dis encore, dans les cylindrés 50, 100 et 150, c'est facile encore parce que les camions arrivent par l'arrière. Enfin, je veux dire, on est derrière, donc on les voit arriver. Mais alors après, dans l'effet miroir, quand ils arrivent par devant, c'est beaucoup plus chaud. Quand ils arrivent par devant, on n'a pas le temps, on se dit merde et tout, on n'a pas le temps de les voir arriver et tout ça. Ouais. Franchement, les courses en mode miroir sont pas évidentes. Bon voilà, franchement, je vais quitter, mais bon là c'est le changement de coureur. Vous voyez qu'on a Donkey Kong, Wario, Bowser. Donc ouais, ça c'est des poids lourds, ils sont lents, mais ils sont lourds, donc ils peuvent assez facilement shooter les adversaires. On a Mario Luigi, ils sont assez équilibrés, c'est les poids moyens je crois. Yoshi est très rapide. Pour Toad c'est le plus rapide, hein. Peach et Yoshi, je crois que c'est les rapides. Toad c'est le plus rapide, Peach et Yoshi sont derrière, Mario et Luigi derrière, et Donkey, Wario et Bowser à la fin. Bon là écoutez, juste pour allez, je vais vous montrer un petit peu le Mario Grand Prix. 150, c'est parti. Je vais pas faire une coupe en entier parce que j'ai déjà fait hier et ça prend un bon bout de temps. Bon, la capture elle est plantée, donc bon, tant pis pour moi, je veux dire, mais excusez-moi. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu quoi. Hein. Slime reste quoi, environ, ouais, 10 minutes environ. Donc, bon, 10 minutes ça va être chaud de faire une coupe entière. Bon, alors pourquoi Mario Kart 64 aussi? C'est mon préféré. Double dash, j'ai trouvé.
pas nul, mais je sais pas, le système à deux était bizarre. C'était pas bien, c'était pas mal, mais j'ai trouvé quand même assez bizarre le système des deux joueurs et tout. Mais bon, ça offrait une nouvelle possibilité de gameplay, c'était pas mal. Mais pour moi, un vrai bon Mario Kart, c'est hein, comme celui-là ou comme celui sur Super Nintendo. Épisode sur Wii, bon, c'est clair, c'est meilleur graphiquement. Ça, y'a rien à dire. Mais dans la maniabilité avec le volant, oh là là, quelle galère. Moi, j'y arrive pas. Franchement, la maniabilité au volant, j'y arrive pas. Voilà, y'a des petits Yoshi qui narguent. Ouais, un montgolfier Luigi qui apporte une caisse ici. Bon, vous voyez que je sais pas un très bon pilote. Hein. Mais bon, franchement, ce jeu, j'y ai passé des heures avec mes cousins, que ce soit dans le Battle, au Grand Prix, à 3. On y a passé du temps, des heures, hein, parce que c'était énorme. Bon, ça me rappelle des tas et des tas de souvenirs. Donc oui, d'un côté, j'ai fait ça par pure nostalgie. Qu'est-ce que ce jeu il est bon. C'était un des blockbusters de la 64. Ah non, franchement, c'était ça. Un conseil donc, pour les bananes, si vous dites que vous marchez dessus, appuyez sur B pour freiner. Et après, bah, comme vous avez vu, j'ai eu la petite note qui fait que Mario n'a pas dérapé. Sinon, si vous chopez une banane et que vous foncez tout droit, c'est dérapage assuré. Au moins, si vous faites le truc du freinage là, bah, vous pouvez arrêter l'effet. Ouais, voilà, les objets comme ça qui se mettent par derrière, je les garde assez souvent, comme ça bah, je peux défoncer les adversaires plus vite. Voilà, déjà 7 minutes, je pense pas que j'aurai tout à fait le temps de faire toutes les frontières. Oh non, je suis deg. Oh non, j'ai merdé là. Oh non, mais c'est quoi ça? Oh non. Oh putain, mais non, mais j'étais premier, j'ai merdé. Oh là 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 là. Bon, je me rattrape au deuxième. C'est quoi le deuxième déjà? Oh non, on a fait un meuneu. Oh putain, mais chiant celui-là. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai foutu, putain. Bon, allez, il est parti en bas. Bon, je pense que je vais juste faire un petit peu cette course, puis je dois arrêter là, parce que malheureusement, ça prend du temps. Rien, j'ai essayé, ça m'a pris pas mal de temps. Rien que pour une coupe. Je sais pas, quel studio a planté. Bon, là, on a l'autre 5 bananes, hein, vous avez pu voir, 5 flèches. Bon, j'essaie de me choper le top, fallait que j'aille le dire pour que ça m'arrive. Allez, go, champignon. Mais je sais, j'aurais dû les garder, mais moi, je suis un gars qui fait tout dès qu'il les a. C'est pas vrai, il était même pas sorti encore. Putain, vas-y, on enchaîne avant dernier. C'est n'importe quoi. Mais il glisse trop, mais il dérape trop. Ok, on va laisser tomber, hein. On va finir avec un échec lamentable de ma part. Ah là, faudrait que j'ai l'étoile ou l'éclair, parce que sinon c'est pas possible. Ah, le champignon doré. Oui, utiliser. Ouais, mais bon, je prends des taux dans le chemin, c'est pas super utile, quoi. Dégagé. Ah, passe bien. Tiens, on va choper Yoshi, là. Putain, mais ça me saoule, ça. Ils sortent pas avant que j'arrive, c'est même, ça m'énerve. D'habitude, ils sortent avant qu'on arrive. Puis après, bah voilà, on peut les éviter. Mais non, là, ils sortent direct, là. Allez, je pitch, moi je finis quatrième.
Non. Non. Putain. Oh. Je crois que si on n'arrive pas dans les 4 premiers, on doit réessayer, je crois. Je crois. Ouais, ouais, on va réessayer. Ouais, il reste pas 5 minutes. Bon, allez, on va réessayer. Sinon, si je vois que ça prend trop de temps, je couperai. Bon, là, désolé, hein, vous entendrez sûrement à fond mon ventilateur, mais ma foi, moi, je n'y peux rien. Allez, c'est 3 vengeances, j'arrive dans les premiers. Putain, non, mais c'est n'importe quoi. Je suis d'accord, c'est le 150, donc c'est plus dur. Mais franchement, les trucs qui sortent alors qu'on les voit même pas sortir de nous, avant, je veux dire, c'est un peu abusé. Dégagez. Ouais, mais voilà, mais regardez, c'est ça, on les voit pas sortir, comment je pouvais le voir? Bon, je savais qu'il y avait un trou, ça se voit, mais... J'ai repéré, ils sortent... La top d'habitude, elle sort un petit peu, juste pour de... Bah, avant de sortir, elle lève juste la tête, après elle saute. Là, non. Là, elle saute direct. Elle se cache, bah, on va dire. Bon, par contre, le champignon d'or, faut l'utiliser quand même assez vite, parce que si vous tenez trop, bah, il sort. Donc, bon, bah... On utilisait dès qu'on l'a, il appuie à fond, il appuie pendant qu'on l'a su 20 fois. Ah, une fois il me l'a pas fait. Ah. Yahoo! Bon, je fais Yoshi, ça va être impossible, je crois. Il est plus rapide, c'est juste. Oh, bon, mais c'est clair, hein. 150, c'est pas évident. Hein. Ouh Yoshi, là, j'ai dédonné Yoshi, où tu sois. Oh putain, non, c'est pas vrai, non. Bon, troisième, voilà. Bon bah écoutez, on est rendu à 12 minutes 30. Je pense que pour ma part, je vais devoir m'arrêter là. Je sais, c'est une petite vidéo test très courte, mais malheureusement, bah, limite de 15 minutes, hein, je ne peux pas faire mieux. Donc voilà, le prochain circuit c'était la plage normalement. Mais bon, c'est la coupe à troupe à bitch. Mais bon, moi, malheureusement, je dois arriver là, parce qu'on est déjà à 13 minutes, c'est presque 2 minutes. Voilà, bon bah, écoutez. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que ça plantera pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de mes épopées. D'ailleurs, faut que je continue Megaman et Pokémon. Parce que hier, j'ai dit que j'allais filmer, mais finalement, j'ai rien fait. Bon, écoutez, merci à tous d'être encore plus nombreux à me regarder, ça me fait hyper plaisir. Et surtout, commentez, hein. N'hésitez pas à commenter, que ce soit sur ma page, sur mon profil. Que ce soit sur les vidéos, n'hésitez pas, commentez, je vais pas vous manger, n'hésitez pas. Allez, ciao ciao.